arrivé à Monaco. Config incroyable. Début de la journée. Ah, c'est Brabus. Brabus suisse. Mais ça, c'est mieux, ça. Oui, il y a un contre-jour de ouf là, mais la LAF. Waouh. Et là, on a une 450 spéciale à Pierta. C'est de la folie. C'est n'importe quoi. Ça fait même pas qu'une heure qu'on est dans Monaco. C'est beaucoup trop. Même si c'est fermé, j'ai enfin vu une F50 noire. Et là-bas, une 288 GTO. Oh la folie. Vraiment, vraiment. Je vous montre quand même ce qu'il y a dans la petite vitrine là. C'est fermé, mais il y a des beaux petits bébés quand même. On a de la couleur. Eh, les gars, Monaco, c'est un truc de ouf. Monaco, c'est la folie. C'est la première fois à Monaco. Je sais pas ce que c'est, mais c'est incroyable. Admirer. Admirer seulement. Je vais pas faire trop de bruit. J'ai plus le nom de cette Lamborghini, mais elle est incroyable. Hein? J'ai dit, j'ai plus le nom de cette Lamborghini, mais elle est incroyable. C'est une One of One. C'est un nom bizarre. C'est incroyable. C'est une Roadster en plus, cette fille. C'est quelque chose de toute façon. Incroyable. On dirait une Veneno un peu. Et là, on a un Lamborghini Urus perf. Incroyable. Est-ce que vous êtes prêts? Oh là là. Oh là là, je suis choqué. Oh. Ah ouais, c'est un truc de ouf. Il y a des sons. Il est vraiment, vraiment sombre. Un point, j'ai jamais vu ça. C'est un film, mon pote. Oh là là, devant l'Ermitage là, c'est un film, mon gars. Oh, je suis choqué. Incroyable, je sais même plus quoi dire. Vraiment, là, je sais plus quoi dire. Je vais aller vous filmer rapidement le Cayenne Turbo GT. Mais
là, c'est incroyable. Vraiment, vraiment incroyable. Monaco, c'est vraiment pas pour rigoler. Hein. Place du casino, avec un beau jet, avec une préparation, je ne saurais pas vous dire. 812 Competizione Aperta grise, j'ai eu 920. Voilà les gars, je ne saurais pas vous dire c'est quoi qui est le préparateur, mais... Mais Maven de chez Motors... MS Motors. Oh, d'accord. C'est incroyable. Vraiment incroyable. Monaco, c'est incroyable. Regardez-moi cette vue de dingue. Waouh, waouh, waouh. C'est incroyable. Regardez-moi ça. Je peux même spotter d'ici. Je pense que c'est ce que je vais faire, mais... C'est super beau. Et là, nous avons le dernier, la dernière acquisition, pardon, de Schmi. Son pur sang. Oh, c'est incroyable. Mais, ça se voit, il a bien roulé avec. C'est sale. Dommage qu'il n'a pas pris les étriers gris, mais on lui en veut pas. Ce n'est pas grave. C'est sympa. Encore un de plus. Configuration quoi. Oh. Vraiment dingue. Vraiment, vraiment, vraiment. Je sais traverser la route en courant, mais... Écoutons. En effet, en effet, en effet. C'est incroyable les frères. Thank you.
Par contre, il y a une poupée à côté de lui, mon frère, ça, j'ai pas compris. T'as vu ou pas? Allez, moi, ça. Ça, c'est le yacht club de Monaco, c'est un truc de zinzin. Là on a un Gébrabus avec l'intérieur Tiffany Blue. Et voilà, Monaco les gars, je vous souhaite à tous de venir ici. Vraiment, vraiment, vraiment. Oh là là, vous entendez? Une Valkyrie orange, on va aller la trouver de suite. Ça c'est des voitures test de chez Porsche hein. Parce qu'ils sont camouflés, je trouve ça un peu bizarre. Double RS3. Celui-ci est plus beau avec la lame. Là-bas, on a un 992 Touring. Il va descendre vers le bas. DPX 707. Il est incroyable. Le rouge il est fou. C'est quoi cette voiture? Oh là là. Que vous dire de plus? McLaren 765 LT Spider dans une couleur là. Je saurais pas vous dire non mais elle est incroyable. Pas du coup. Avec les carbones et tout là, non c'est chaud. C'est la fête des 812 compétitions. Incroyable. Vraiment incroyable. De retour à l'Ermitage avec 992 classique. Je disais 992 classique dans une très belle couleur. Couleur olive, je dirais. Toujours en compagnie de la GT au noir. Putain, qu'est-ce qu'elle est sombre. Vraiment, c'est de la folie. Numéro 58, intérieur. Le cul. Elle est vraiment folle. Ses belles jantes. Les deux tailles.
Végéto, vraiment incroyable. Il est vraiment beau ce Urus. Hein. Perf en passant. Oh là 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 là, comment ça? Je veux dire ce qui est. Voilà. Il vient d'être livré à Monaco. Qu'est-ce qu'elle est belle. Et la Sport Classique qui était derrière la GTO tout à l'heure, c'est elle. Hein. C'est un truc de dingue. Waouh. Maserati MC. Que je peux terminer l'année 2023. Ça y est. Je pense que là, j'ai atteint un stade de ouf. Honnêtement, je sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Incroyable. Vraiment incroyable. Je suis choqué là. Ah ouais, je suis choqué de ouf. À bientôt.